Salut, ma beauté. Merveilleux. Mon maquillage est maintenant en parfaite harmonie avec ma sublime tenue d'automne recherchée. Les filles, à qui le tour? Jack, ma chérie, viens t'asseoir ici, je te prie. Je vais te transformer, tu vas voir, tu vas briller. Je vais te faire un maquillage digne d'une reine de la danse. Oh non, non, merci, sans façon, c'est gentil, mais je me trouve juste pomponnée comme il faut. Hop. Ton look d'automne recherché est tout sauf recherché. Wouhou, dis oui, dis oui. Un phare discret, ça pourrait être joli. Allez, Applejack, fais-toi relooker. Oui, pourquoi pas. Bon, allez, d'accord. Mais je ne veux rien de trop sophistiqué, compris? Bien sûr que non, tu me connais. Je me suis surpassée, je suis trop fière de moi. Alors? C'est très joli. Mais j'aimerais un peu moins de fard à joues. Ah. Et un peu moins de rouge à lèvres. Je veux pas être casse-sabot, mais un peu moins de fard à paupières, ce serait bien. Enlève-en encore un peu. Waouh! T'avais raison, Rarity. T'es une excellente lookeuse. Merci. Avec plaisir. Super, c'est la chanson que j'avais demandé. Ça te
dirait de faire une petite démo de danse avec ta grande sœur? Je suis impressionnée, les filles. Mais, est-ce que vous seriez d'accord qu'on se fasse une petite revanche? Oh. Je te remercie d'avoir rejoint mon club de soutien, Fluttershy. Oui, je suis toute excitée grâce à toi, je vais passer un samedi méga génial. Je suis persuadée que quand les joueuses du lycée de Canterlot entendront nos voix, elles seront tellement pleines d'énergie et de motivation qu'elles vont gagner ce match. Il faut juste hurler quelques wah 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 et quelques ouf. Oh, je suis contente de t'aider, mais avec ma voix, je ne crois pas qu'on entendra mes ouf. Chaque voix compte, Fluttershy. Regarde ça. Wouhou. Allez, les Wondercats. Écoutez-moi bien, fans de Canterlot. Très chers fans de Canterlot, je veux entendre vos cris de soutien. Quand je dis Wonder, vous dites Colt. Wonder, Colt. Wonder, Colt. Quand je dis bleu, vous dites or. Bleu, or. Yeah.
vois ça, Applejack? Ça s'est passé hier, soir. Nom d'une perle rare. Regardez ces photos de la comtesse Colora Dura. La pauvre, elle a été photographiée en train de tomber à la renverse durant son cours de yoga. Oh, c'est la gêne. Quelle horreur. Imaginez que le moment le plus embarrassant de votre vie soit figé et exposé aux yeux de tous. Je t'expliquerai si ça. Et puis, Granny Smith s'est mise à hurler comme une forcenée. Alors Big Mac est sorti de la grange en agitant les mains au-dessus de la tête, écrasant toutes les mouches sur son passage. Jamais dans des situations embarrassantes, pas vrai, les filles? C'est vrai, c'est bien sûr que nous. Tu te rends compte, on n'est pas les filles. On doit avoir envie de faire ça, la belle de la vie. Neuf. Maintenant, elle est prête pour participer à la séance photo. Quelle séance photo? Pour le calendrier de bienfaisance, nous voulons récolter le plus de fonds possible pour le refuge des animaux de la région. Tous nos merveilleux animaux de compagnie vont y figurer. Quelle bonne initiative! J'aimerais beaucoup y contribuer, mais... Je n'ai pas d'animal. Oh! Tu en voudrais un? Oh non, non! Je ne sais même pas lequel je prendrais. En place, les animaux, je vais prendre un gros plan de vous, ne bougez pas. Attendez, il reste encore une place. Tu n'es pas un animal, idiote! Non, je veux dire, j'ai changé d'avis. Fluttershy, tu m'aiderais à choisir un animal? Oh, je croyais que tu ne demanderais jamais! Oh, doucement! Bienvenue au refuge des animaux, Sunset Shimmer. Oh, je suis sûre que nous allons trouver l'animal de compagnie idéal pour toi. Il n'y a qu'à chercher. Regarde comme ils sont mignons à croquer, tu ne trouves pas? Pas vraiment, non. J'aimerais avoir un animal un peu moins poilu. Que dirais-tu d'un poisson combattant? Il n'a pas du tout de poils et regarde, celui-ci a de sublimes écailles. Je sais pas trop. J'aimerais bien pouvoir tenir mon animal dans les bras. Oh, je sais lequel te conviendra.
Bonjour, mon mignon. Regarde-le, Fluttershy, c'est un vrai rayon de soleil. C'est lui que je veux. T'inquiète pas, tu peux t'approcher des autres, mon mignon. Ils ne mordent pas. N'aie pas peur, Ray. Je vais bien m'occuper de toi. C'est promis. Bonjour tout le monde. C'est moi qui vais assurer le remplacement de votre professeur aujourd'hui. La principale. Oh, je dois vous avouer, j'en suis ravie. J'aime beaucoup mon métier de principale ici au lycée de Canterlot, mais il m'arrive de repenser avec nostalgie à l'époque où j'enseignais. Bon, allez, on y va, nous allons commencer le cours de géologie, d'accord? Qui peut me citer les trois types de roches qui existent? Principale Celestia, veuillez vous rendre à la bibliothèque. Je suis sûre que ça peut attendre que j'ai... Immédiatement. Je dois vous laisser, mais je ne serai pas longue. Twilight, je te charge de surveiller la classe jusqu'à mon retour. Je suis désolée, j'ai dû m'absenter. Où en étions-nous? J'ai perdu le fil. Ah! Oui. Ma question était, qui peut me citer trois types de... Il y a un petit souci de rien du tout à la cafétéria. Vous avez une minute? Oh, bien sûr, je vous suis. Bon, nous allons recommencer. Qui peut... Qui peut... citer les trois... Je reviens tout de suite. Qui peut me citer les trois types? Oh, et vous êtes sûre que la principale adjointe Luna ne peut pas s'en charger? Oh, d'accord, j'arrive tout de suite. Oh, attendez-moi, je reviens dans une minute. Me revoilà! Je vais enfin pouvoir faire cours, je suis sûre que c'était une toute dernière interruption. Alors, qui peut... Oh. Elle avait raison sur un point, c'était bien la dernière interruption. Oh. Que tu trouves quelque chose qui t'inspire, je te conseille de nourrir ta créativité. Oui, tu as parfaitement raison, Sunset Shimmer. Oh, je n'ai toujours aucune idée. Vous êtes sûr que ce jus est vraiment nourrissant? J'y crois pas trop. Sunset Shimmer a dit que les grands artistes puisaient leur inspiration dans l'incroyable beauté de la nature. Peut-être qu'ici, je vais trouver quoi peindre. Non. Oh. Oh, vous avez raison, jolis oiseaux. Il faut que je sois encore plus en harmonie avec la nature si je veux qu'elle m'inspire vraiment. Chip! Chip! Oh. Ah, je ne connais rien de plus inspirant qu'une douce mélodie ou qu'un bon gros son de batterie. Et 1, 2, 1, 2, 3.
fourni de délicieux jus nourrissant, des plumes dans mes cheveux et un bon mal de crâne. Tu sais, quand je ne trouve vraiment pas l'inspiration, je peins tout simplement quelque chose que j'adore. Quelque chose qui me rend vraiment heureuse. Comme ces magnifiques tournesols. Mais oui, bien sûr, oui, j'ai trouvé. C'était devant moi depuis le début, comment ne l'ai-je pas vu? Pinky, tu m'as peinte. Est-ce que tu aimes? C'est très inspiré. Est-ce que je peux te peindre à mon tour? Je suis trop contente que nous ayons trouvé le temps de participer à une autre séance du CCC. Le club des cinéphiles de Canterlot. Je ne sais pas vous, les filles, mais moi, je n'ai pas l'impression d'avoir déjà vu le nouveau casse-cou 5 fois. Moi non plus. Ça, c'est parce que on découvre toujours plein de nouveaux super détails chaque fois qu'on le regarde. Allez, si nous allions nous asseoir. Oh, on dirait que nous sommes un peu trop en avance. Oh, ah, si vous saviez comme je suis soulagée de vous voir. Qu'est-ce qu'il y a? Ça ne va pas, Pinkie Pie? Non, c'est Gumi. Il... Oh, il a disparu. Je l'ai emmené ici au cinéma pour voir le dernier film de Casse-cou parce qu'il l'adore. Nous aussi, on l'adore. Ouais, il est trop génial. J'adore particulièrement la scène où Casse-cou débarque sur une liane et donne une raclée aux âges hurleurs avant de pénétrer dans la forteresse volcanique. Bon, et qu'est-ce qui est arrivé à Gumi? Oh, eh bien, j'étais partie chercher des bonbons plein de bambous et puis... pouf, il était plus là. Vous l'avez pas vu? Est-ce que vous pensez à ce que je pense? Un disparu? Une amie en détresse? Voici une nouvelle mission pour les chercheuses de talent. Oui! Ne t'inquiète pas, Pinkie Pie. Nous allons sauver ton croco d'une mort certaine. Ouh, une mort certaine. Interdite par Aka Yearly. Ah, l'ancien n'arrivera jamais à me rattraper. Je vais aller remettre le diadème maudit à sa place. Voyure, lance-pierre.
Simon Ouf. Il m'aidera à trouver la cité des nuages interdites et le diadème retrouvera enfin sa place. Désolée de t'interrompre, mais Applejack a klaxonné au moins 20 fois et tu ne répondais pas au téléphone. Si on n'y va pas, on va rater le début du film. Je suis prête.